dégaine, attention les dégâts, faut que t'esquives la balle pourtant. Ça serait mieux pour toi, j'suis dans les temps. 4-4 tout terrain, ça rafale ton équipe, putain. T'es dans la demeure, complètement du père, ça s'appelle le départ. T'as des gains de clochard, ça se passe à la DA pour péter le cochi. Personne t'accoste, tu rappes à la Costa. Tu vas être la Costa dans le couloir comme Costa. On veut des pesos. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, là, on dirait que de Sarreguemines avec le frérot 24 Caramello. Ça dit quoi, mon gars? C'est comment, tranquille? Ah, on est là, on est où? Dans quel quartier, là, en fait? Ici, on est au quartier Beau Soleil, on est dans le 5-7 à Sarreguemines. C'est ça, ouais, je te laisse te présenter un petit peu. Voilà, voilà, moi, c'est 24 Caramello. Je viens du 57. Ça fait 3 ans que je fais du son. J'ai commencé avec un pote, on avait un groupe de rap, ça s'appelait SNB. Pour tous les anciens qui connaissent. Là, il est mort à la Lahmo, tu connais. Là, ça fait un an, on est à fond dans le son. Et ça va péter, tu connais. Hein. 3, 5, 7, dernière saveur. T'as calé au départ, je te cale là sous le raté. Elle veut des câlins et aussi des caresses. Elle veut un carrosse, je lui mets une carotte. L'instru, je la tabasse, la cuisine à ma sauce. Là, je suis au carré, guette ma carrure. Moi, je suis carré. Elle veut ma carrière, des strass et des paillettes. Fume sur ton pédo, 3 par tes chécous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va avoir différents rappeurs, tu m'as dit, non? C'est ça, il y a des rappeurs, des footballeurs, des boxeurs, il y a du tout au quartier, tu verras. On va faire un tour, je vais te montrer ça, tu connais. C'est carré, mon gars. Déjà, la base des bases, t'as commencé quand, le son? Le son, j'ai commencé le son il y a 3 ans. Je rappais un peu de mon côté, tu vois. Et jusqu'un jour, je suis tombé sur un poteau. On a discuté, on a commencé à faire du rap et l'alchimie s'est faite. On a commencé à envoyer des sons sur YouTube. Hein. Là, on vient de descendre le quartier, là, on est au milieu. Là-bas, il y a la place, il y a le jet d'eau, là où tout le monde squatte. Juste ici, là, il y a la maison de quartier, tu vois. Pour les jeunes, le périscolaire, un peu tout. Ça. Là, on va faire un petit tour, on va descendre un peu plus bas. Je vais te montrer ce qui se passe. Alors, déjà, toi, je pense que quand on entend Sarreguemines, ouais, on ne sait pas trop c'est où. Alors, est-ce que tu peux situer un petit peu Sarreguemines, non, on ne sait pas trop c'est où. Écoute, Sarreguemines, c'est à la frontière d'Allemagne. Là, on a 10-15 minutes de l'Allemagne. Et c'est plus proche, la plus grande ville du coin, en fait, c'est Metz. Tu vois, c'est Metz, la plus grande ville. Après, à côté, il y a Strasbourg, tout ça. Là, on est une petite ville cachée, mais t'inquiète, ça va péter. Hein. Il y a des studios, des clippers, des trucs comme ça ici, ou c'est ici, un peu galère? Il y en a, il y en a. Il y en a dans le coin, il y a un studio à Sarreguemines, même chez le poteau Alière Vocal, de Dicas. Chez mon frérot, chez qui je vais tout le temps. Le magicien, c'est Universal, c'est un fort bac. 5-10 minutes d'ici, tu vois. Et après, des clippers, t'en as 2-3. Là, mon prochain clip qui va arriver, ça sera un clipper d'ici, ça s'appelle Jérémy. Gros big up, reste à l'affût, je vais envoyer sur YouTube. Ça commence à s'ouvrir un peu. Hein. Il y a des nouvelles têtes, à force d'envoyer du contenu, ils commencent un peu à viser le 57, tu vois. T'inquiète, ça va péter, Charles. Toi, t'es dans le label de Larry en plus. Ouais, moi je suis dans le label de Larry, c'est ça. Ça va faire un an, je suis en développement, tu vois. J'ai fait mon premier clip avec Pat Plug, sans clipper. Ensuite, j'ai eu la chance de faire un freestyle sur Skyrock, tu vois, il m'a invité. Je fais un gros big up à Gotham, à Larry, Bene, Soumia, Abdou, tout le monde, on est ensemble, l'équipe. Du coup, toi, t'as clippé à Strasbourg, dans le quartier de Larry et tout, ouais, juste ouais. Au premier du coup, clip. Mon premier clip, je l'ai fait au studio là-bas directement parce qu'il était en travaux, tu vois. J'ai fait mon clip directement là-bas sur le tas, en même temps pour montrer que, t'as vu, même si je viens pas de là-bas, j'ai quand même là ce fort, tu vois, on doit quand même là ce fort. Et là, le deuxième clip, ça va être dans mon quartier, je vais leur montrer d'où je viens vraiment, tu vois, comment. Du coup, ça va être le premier clip de qui se passe à Sarreguemines, non? Non, même pas là, il y a une semaine, il y a un petit ref à moi, il a clippé aussi au quartier. Et le prochain, ça va être moi, Charles, tu connais. Hein. Là, je vais te montrer un peu de monde. C'est comment? Là, il y a la pépite, là, c'est Benzo, c'est le boxeur. Ah ouais, tu fais de la boxe, toi? Bien, quoi? Bien, ouais, je m'appelle Benzo, je fais de la boxe, Muay Thai, K1, et j'ai 20 ans. Voilà. T'as commencé quand, toi, à faire tout ça, en fait? Il y a 10 ans, parce que mon grand frère, il est boxeur, c'est pour ça. Ça s'appelle Cédric Touche au passage, et voilà. Ça fait des compétitions, un truc comme ça? Ouais, ouais, je suis champion de France, champion de Lorraine, champion de Moselle. Ça tue, ça tue. Gros sport sur 24, sur vélo, il se donne du mal. Mon gars, 24 Caramello, ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom, en fait? Écoute, t'as vu, avant, je t'ai expliqué, j'avais un groupe avec mon poteau, du coup, je m'appelais Secteur, tu vois. Et ensuite, j'ai laissé les cheveux longs, j'étais matrixé par Djadja et Dinaz. J'ai commencé à faire une couleur caramel, il a commencé à m'appeler Caramello. Et en dédicace pour le frérot, tu vois comment? Ouais. Du coup, ça passe bien. Et 24, parce que moi, je suis un gars, j'aime bien tout ce qui est l'or, tout ça, tu vois. J'ai fait le jeu de mots 24 carats, 24 caramels. Ah, ok. Alors, t'as capté, mon gars. C'est bien, mon gars, vu que t'es dans le label à Larry et tout, est-ce que peut-être un jour on pourra avoir un feat avec des gars du label? Écoute, aussi mon ref, on sait pas, tu connais, hein. Déjà il est là, il me donne la force, il me partage, on est en développement, et Inch'Allah, pourquoi pas, hein. Après, chacun bosse ses projets, tu vois, d'abord dans le rap, c'est quoi, faut avoir sa propre image, faut montrer un peu ton univers, tout ça, et pourquoi pas par la suite, tu connais, hein. T'as fait des Planète Rap aussi, toi? Ouais, j'ai fait un bon petit freestyle sur Planète Rap,
Comme je t'ai dit avant, c'est la rime invitée, frérot. On a allé, on a représenté ça comme il faut. Voilà. C'était comment la première fois derrière le micro, là, Planète Rap? Écoute, déjà, je suis arrivé, frérot, j'arrive en bas, je me dis, wesh, faut poser la carte d'identité, tu passes à la portie. Sérieux? On dirait que tu pars à Malaga, mon ref. T'arrives là-bas, t'es fouillé par 3-4 gars, t'es à SS. Après, ils te montent tout le temps au quatrième, tu vois, dans les loges. Tu prépares, tu poses. Il y a tout le monde derrière toi, il fait chaud à mort, tout le monde allume des gros pétards. Tu vois comment? T'es là, t'as la pression, hein, et comment on dit ça à ton tour? Tu mets le casque. On est dans ta pub, frérot. Et t'envoies, hein. Et t'envoies, mon ref, voilà. Vas-y, poto, gars, je vais te montrer, il y a d'autres pépites ici. Là, le frérot, l'entraîne. On prend ici, mon ref. On commande. Il nous lève. Tranquille. Mon ref. Comment, tu rappes un peu, toi? Ouais, je rappe. T'as fait des clips? Ouais, j'ai fait deux clips là. Il y en a un qui sort aujourd'hui. Boy, il s'appelle. Et je fais une série de freestyle. Première table, deuxième table. Je sais pas jusqu'à laquelle je vais aller, mais. Tu allèges les rafales en bécane. Toi t'étais pas là, boy. Bien sûr qu'il a fini en béquille. Toi t'étais pas là, boy. Sur le rapide, frappe comme bécane. Toi t'étais pas là, boy. Je l'ai éteint, passe-moi le kébril. Toi t'étais pas là, boy. Toi, vas-y, présente-toi un petit peu, mon ref. Moi, je viens de Sarreguemines. J'ai 15 ans. Je rappe et voilà. Écoute. Si j'arrive, tu sais pas qui je suis jusqu'à couler. Quand t'es arrivé pas le mec, tu vas couler. J'étais en bas, ça à parler, j'ai écouté. Ok, bah. Écoute, mon ref, c'est un pépite, écoute. Si j'arrive, tu sais pas qui je suis jusqu'à couler. Quand t'es arrivé pas le mec, tu vas couler. J'étais en bas, ça à parler, j'ai écouté. Chir dans le tas, c'est sûr que t'es touché. Arrête de blablater, arrête de négocier, arrête de papoter, arrête de décoller. C'est moi, j'ai détaillé. Ok. Et quand j'avais les keufs dans le bendo, fallait courir vite, c'est moi qui a benda. Arrête, moi je te donne le bédo, c'est de la peufra, peufra, ça vient me dar. Après le confinement, faut que je passe sur Planète Rap. Je te parle gentiment, si y'a Haja, faut pas que je le rate. Toute la nuit, je fais que deux sonner, quatre coulées, je suis incognito. Avant minuit, je fais de la monnaie, quand eux c'est des gros mythos. La monnaie, cash. La monnaie, cash. La monnaie, cash. Monnaie, cash. Pose la somme, non, dis pas non. Captain, tire la transaction. Frappe à 10 balles là. Dans le bouchon, y'a 10 balles long. Pose la somme, non, dis pas non. Captain, tire la transaction. 6.3, je mets le turbo. Ton équipe est tu bas. J'ai quelque chose à t'y perdre. Ça va sert des 10. Alors, tu penses qu'à Sarreguemines, ça va se réveiller là dans le rap? Ça va. Ouais, écoute, ça va se réveiller, frérot. T'as vu, y'a des petits, y'a des grands, y'a un peu tout. Ça va se faire péter. En plus, ce qui est bien ici dans le quartier, c'est quand je donne toute la force. T'as vu, tous ceux qui sont là, ils sont là tous les jours, frérot. Le prochain clip, il est déjà clippé ou pas? Non, ça va arriver, frérot. Là, courant janvier, je vais lâcher un jeu aussi. Clipper au quartier comme c'est dit. On va montrer un peu c'est quoi le quartier. Après je pense qu'on va sortir ça en février, tu vois. Là cette année on va envoyer, frérot, là. On va beaucoup envoyer, J'ai ça beaucoup charbonné au studio. Il y a beaucoup de sang qui arrive, frère. Là on va aller voir qui là du coup? Là on va, je vais te montrer un autre rappeur, hein. Il est posté dans un autre bâtiment, tu connais, hein. Ici il y a des bâtiments un peu partout, t'as vu, il y a beaucoup de couleurs, ça s'appelle Beau Soleil. Ah ouais, enfin là bon le Beau Soleil il est pas trop là mais. Aujourd'hui il est pas hal. Ce qui est bien, tu vois, c'est que y a des rappeurs, mais on a chacun notre délire. Il y a de la trap, il y a un peu de mélodie, il y a des gars équipes, il y a de la drill, tu vois, il y a un peu de tout, frère. Ici, on essaie de faire un peu de tout, tu vois. On se marche pas dans les pattes. Toi, tu te trouves dans quel style, toi? Tu dirais que tu fais quoi? Moi, je fais de la trap, frérot. Mais franchement, je vais essayer de péter dans la trap et après, je vais révéler d'autres facettes de moi, tu vois. Parce ouais, que je suis très, très fort dans la mélodie, dans tout ce que tu veux, tu vois comment. Mais tu connais, d'abord, faut envoyer le rap, et ensuite, on va essayer de se commercialiser un peu, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Voilà. Là, on va aller chez le poteau, là. Biggie. Rappeur du quartier aussi. Là il y a mon poteau là, ça va rapper là. Toi aussi tu rappes du coup, hein? Ouais. Vas-y, tu peux te présenter un petit peu. Je m'appelle Bilal, sur Insta tu peux me retrouver. Tiré du bas, Bilal 57 tiré du bas. Je viens de la part du frérot Caramello. T'as pas clippé encore toi, hein? T'as pas fait le clip? Moi j'ai encore rien fait. J'ai lâché 2-3 freestyles sur Insta. Comme je peux te le dire là, je vais te le mettre. Tu peux aller checker, Zach. Normal ou là. Ouais, écoute. On va direct, c'est fidèle, mon ref. 24 à côté. Tu perds mon temps pour 2-3 balles, 2-3 balles et c'est terminé. Je laisse parler tout
ses haineux, parce que moi je suis déterminé. Arrête de faire le voyou, t'es qu'une putain de tapé. Dans la cour tu donnes ton cul, on joue pas dans la même récré. T'es pas nager ou t'as papé, c'est la devise du métier. Y'a ta pute en bas chez moi, moi je serai toi, viens la chercher. Parce que si je la fais monter, elle sortira en boitant. Espèce de petit catin, t'as essayé de nous péter. Eh, yeah. Thanks. Papa, belle vie mon pote, tu vas citer. 5-7. Ah merci, 24 à cœur. Merci bien. Sur le top du top, un gros gars, moi j'attends le top départ. C'est des salopes, des commis, parlent comme des commères à la tête des commis. Récupe mon colis, faut que je passe au collègue. Le produit est balèze, j'ai reste 3 les palettes. Vroom, vroom. Un deck la force d'escorte, eux c'est des faux lascars. Faut qu'on pète le score, un V1 sur lascar. Tu peux baisser les stores, c'est moi là. Ici c'est mon blog frère, ici j'ai fait mon clip avec mon frérot. Comme chez Jill, le tout premier clip qu'on a fait. Mon tout premier clip de rap c'était devant ce bloc. Ça c'est mon bloc ça tu vois. Ça c'est le bloc ça. C'est grand ici ou... Ouais c'est grand le quartier, il est grand, il y a beaucoup de blocs. T'as vu de base le quartier, les blocs ils étaient comme celui-là. Ouais. Tu vois maintenant ils ont rénové, ils ont fait de mettre un peu de couleur. Maintenant ils ont mis des balcons pour accéder au toit. Tu vois ils essaient un peu de rénover. Pas comme les vieilles maisons en haut, ça commence à être chaos, tu vois. Ouais, ouais je vois ça. On va faire un peu tout pour donner un peu de couleur au quartier, tu connais. C'est ça. Toi, voilà, tu kiffes ici ou quoi? Ici, voilà, ici, c'est la maison, frère. La famille, c'est la famille, il y a tout ce que tu veux ici, tu vois. Tu te réveilles, tu vois les minots, ils sont là, ils sont à 3 sur Twitter. Voilà, il y a des tout, frère, ici, tu vois. On rigole, il y a des grands, il y a des petits, il y a tout. Après, comme je t'ai dit aujourd'hui, il y a école. Il y a beaucoup de petits qui sont à l'école. Il fait froid en plus, il pleut. Voilà, il fait froid. Il n'y a rien qui va. Tu vois comment? Mais on est quand même là, frérot, ouais. On donne la force, tu vois comment? Imagine, le meilleur souvenir que t'as d'ici là, c'est quoi? Le souvenir, déjà, c'est avec mon Zinco, c'est avec mon cousin frérot. J'habitais dans ce bloc là, tu vois, avant d'habiter là, j'habitais dans ce bloc là. Et on faisait que des dingueries frérot, il y avait une daronne, une jeune, elle habitait au rez-de-chaussée, tu vois. Et nous, on allait que chez elle frérot, pendant le ramadan, là, et tout, on toquait, on demandait des loves, ou on lui claquait des œufs sur la fenêtre avec mon grand frère et mon Zinco. Ah, tu connais, après le quartier, on roule à 3 sur les scooters. Ça faisait dawa tout le temps, tu vois comment? Ouais. C'est ça, hein. Comment ça se fait que t'as rejoint du coup le label de Larry? Comment ça s'est fait là? Écoute, t'as vu au début j'écoutais un peu les rappeurs du coin. Je suis tombé sur Larry. J'ai écouté, j'ai kiffé ce qu'il faisait. C'était au début, c'est les premiers freestyle Freebellies 1, 2, tu vois. T'es pas trop encore connu. Et après, je regardais, je kiffais. Et après, j'ai vu son manager, c'était son père, tu vois. Du coup, j'ai trouvé son Instagram, son Facebook. Je les ai directement contactés. Ils m'ont pas répondu. J'ai trouvé leur adresse mail. Je leur ai envoyé des mails de mes sons. Ensuite, les contacts, ça s'est fait, tu vois. J'ai pas lâché l'affaire. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Et jusqu'aujourd'hui, tu vois, on est là, hein. On est en développement et Inch'Allah, ça va tout casser. Hein. T'as raison, ça t'a apporté des trucs un peu dans... Ouais, beaucoup frérot. Déjà, studio, l'accompagnement, tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux de centre, c'est chaud quand t'es rappeur. Faut poster, faut être actif, faut faire des lives, nanani, nanana. Ensuite, quoi, Skyrock. Après, je connais des grosses connexions. Tu vois, je connais plus de rappeurs, je connais plus de monde dans le rap. Je connais des médias. Je me déplace un peu plus, je sors du quartier, je fais croquer un peu des petits. Et voilà, que du kiff, frère. Que du kiff. Ici, maman, je vais te montrer. En fait, c'est la ludothèque. La ludothèque, c'est quoi? C'est comme une petite maison de quartier pour les jeunes. Ils viennent ici directement. Il y a 3-4 éducatrices, tu vois. Tu fais des jeux de société, tu peux écouter des musiques, tu peux lire des livres. Ils t'aident à faire des devoirs un peu. Ils t'aident à faire tout un peu, tu vois. Et ici, tu viens, tu passes ton temps. Là, il y a Janine. Dédicace à Janine. Dédicace à Janine. On est en direct, là, il y a un peu de jouer, il y a tout. Tu rentres là-dedans, tu tournes à gauche, tu poses tes chaussures, tu prends ta meilleure paire de claquettes et tu vas te zépo dans la salle, tu prends 2-3-4 photos, tu fais ta meilleure partie d'échecs, frère, voilà. Et après, tu rentres chez toi et tu vas Nares, mon frère. T'as vu, après, comme je t'ai dit, ça, c'est les anciens blocs. Ils sont en train de les rénover, tu vois, parce qu'ils vont les faire un peu comme cela, ils vont mettre un peu de couleur. Comme ça, ça donne un peu de couleur au quartier, comme je t'ai dit, beau soleil, frère. Il y a même des bus au quartier. Ah ouais. Il y a tout. Là, je vais te ramener au stade de foot. C'est là où j'ai commencé à faire du foot quand j'étais tout petit. Ouais. Avec les Zinco, hein, il était avec moi partout. Ouais, voilà, il était avec moi partout. Il y a des bons joueurs ici ou quoi? Il y a des bons joueurs. Écoute, il y a deux petits à moi qui jouent au foot, mais ils n'ont pas pu venir. Il y en a un, s'appelle Matteo Guendez. Il jouait ici, tu vois. Aujourd'hui, il a signé au FC Metz. Ah, c'est bien. Il joue U13 FC Metz. Après, il y a un autre jeune qui s'appelle Djibril. Wilshire. Strasbourg, U17 Nas. Strasbourg. Après, il y a un autre pote à moi, c'est un buteur. Il s'appelle Marouane Niesa. Équipe de France de lutte. Championnat d'Europe. France, là, il prépare les jeux, là. Voilà, frérot, il y a beaucoup de luttes à Sargumine, tu imagines. Ils sont forts. Voilà, ils sont bons. Mohamed Amin aussi. Voilà, avec les États-Unis. Université de lutte. C'est bien. Écoute, là, en direct, là, c'est le terrain. T'as vu, ils nous ont enfin fait un vrai terrain. Et beau le terrain. Avant, il n'y avait pas ça, frérot. Voilà. Le président du club du foot, c'est mon oncle. Ouais, dédicace à mon oncle. Il a tout fait pour avoir le terrain, là, frère.
Avant, il n'y avait rien, t'as vu, il y a même le logo FC Beau Soleil. Il y a un bon petit club, frère. Là, je vais te montrer un petit joueur du quartier, c'est une pépite. Wesh, les gars, wesh, là, il y a le frérot Jamil. Salut, mon gars. Comment? Aïmel, ouais, bien mon gars. Écoute, ici, il y a des joueurs de foot. En ce moment-là, il y a un petit, il est en train d'arracher tout. C'est le petit frérot Jamil. Tu joues, toi, un peu? Moi, je joue à Sarreguemines. Ouais? Ouais, en senior. Et je joue en R2. T'as quel âge pour jouer en senior, gros? Je viens d'avoir 18 ans, là, il y a une semaine. Bien. Ça joue bien ici ou quoi? Ouais, franchement, ici, ça joue. Il n'y a que des joueurs de soccer ici. Ouais? Que des petites techniques. Ça rigole pas ici. Là, en ce moment, dans les matchs prévus, il y a des bonnes équipes ou quoi que ça va jouer? Ouais, franchement, ça joue des bonnes équipes. Ça joue des grosses équipes, il y a des bons joueurs. On a des petites pépites ici. Djibril, il joue à Strasbourg. On a Matteo aussi, il joue FC Metz. C'est des gars, on va les voir à la télé plus tard. Et ça vient d'ici, Inch'Allah. C'est bien, en plus Metz, bon centre de formation. Hein. C'est un bon centre. Sadio Mané et tout. Et oui, tout. Ça sort là-bas, ouais. Toi, mon gars, t'es bon au foot ou quoi? Moi, ça va, ça joue un peu au foot, mais ça joue pas trop au foot. Hein. Moi, c'est plus le rap, tu connais. Hein. On a tous commencé sur ce terrain, tu vois comment? Ça fait combien de temps il est comme ça le... Ça fait combien de temps? Vous serez 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, 3 ans, 3 ans, il est tout propre comme ça, tu vois. Ouais, frérot, gars, là, on va aller rejoindre un mec potent, moi, qui fait du rap, mon frère Rochems. Et voilà, tu vas écouter, on va écouter la pépite, hein, tu connais. Hein. Direct, mon gars, direct. Toi, tu vas faire des feats avec des gars d'ici, peut-être, à la suite. Ouais, à la suite, je pense. D'abord, me développer personnellement, tu vois. Me développer aussi personnellement. Et après, tu connais, ici, on se donne toute la force, on est tous ensemble, tu vois, comment. Si je peux avancer, ils peuvent avancer, je l'ai avec plaisir, tu vois. Ah, ça tue. Comme ça, ça tue, oui. Là, il y a le poteau chef. Bien. Ok, bleu. Bien. Là, bien. Tu peux te présenter un petit peu? Moi, je m'appelle Shems. Je fais du rap normal, tout. J'essaie de se débrouiller si tu vois un peu. Là, j'ai lâché deux clips sur YouTube. Un en duo, un tout seul. Et une série de freestyle sur Insta. Tu connais, on essaie de faire bouger les choses. Hein. Mon Insta, c'est quoi? C'est Thierry Dubois, Shems. Thierry Dubois, c'est. Ah, de toute façon, il va l'écrire. Là. Je m'inspire de mots passants et bêtos, je clip à Boston. Le téléphone il sonne, Younes m'appelle en sort. On va tout quand je le sens, comme d'habitude. On va tout quand je le sens, sans inquiétude. Les litrons sont vérifiés et moi je tartine sur le périph. Ah ouais, toi t'es terrifié et ça à cause d'une gifle. Vas-y, ça fait combien de temps que tu rappes toi? Moi, ouais, ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais. 3 ans. On essaye d'évoluer, tu vois. C'est progresser au fur et à mesure. On essaye de faire un bon truc. Ça arrive fort pour la suite, non? Ouais, ça arrive fort 2021. Belle avec les oreilles. 24 caramel, il est là, il est en place. Ah, belle avec. Là, c'est mon petit frère, là, KO. C'est mon petit frère, 24 jours. C'est lui qui fait tous mes pages, tous mes posts sur Instagram. Tu vois, lui, je fais avec moi tout le temps. C'est le tireur, c'est la famille, c'est le sang. Et là, Shems, la pépite, il va t'envoyer un freestyle. Écoutez bien, ça vous voyez. Là, il est le backer. Là, fort. Tu vas avec le prochain. Ouais, écoutez, écoutez. Tu freestyle avant bon. Ça, c'est l'apéritif. J'accepte, Michael. Bon, direct. On filme les clonies après. Ouais. Il est soudé comme dans Top Boy. La même équipe depuis la Game Boy. Dans la VK, ça faisait coup au bol. Pas très bête, donc on avait pas de bol. À part pour pêcher au désert d'école. Les clowns de la classe, c'était ça notre rôle. Mais j'y vais, fais pas, serait de big vers de TG en bas du hall. Pour sauver les fours, y'a deux sœurs d'emploi. Sur le service, sur la parabole. Dépend en hauteur dans un bâtiment. Quand y'a les keufs, tu cries quand même un boule. Parfois, y'en a qui peuvent perdre la boule. Et beaucoup, y'en a qui évitent la tôle. Ça trahit l'hiver dans la pluie et la neige. Et l'été, ça se met à la cour. Mais pas d'alcool, arrête de faire le fermus. Le week-end aux allongés entourés de balles folles. Et le vendredi au quartier tu fais des rappels à tous les petits de la zone. C'est ça toute la semaine, comme la putain d'habitude du réveil qui sonne. Et c'est comme ça la vie frérot, partout y'a des bonnes et des mauvaises personnes. Pas d'intérim, que de la codéine. Mélange ta vodka avec un peu de taurine. A vrai le coup de fil, je te la carcime. The bigo comme le jeu DS de Sims. Je viens du futur, comme les Simpsons. Je viens du sexe et je m'appelle Shemsu. Je m'écris v'là les tests avant que mon nerf. J'essaye de faire grave des sous. En direct du chat, ici que des hommes. Derrière la caméra d'un Borisson. C'est un brave comme Nelson Mandela. Il a fait le docteur, aujourd'hui il est là. Ah voyons mon gars, ça tue, ça tue, ça tue. Mais peu ça des carreaux, ça parle en cara, le business est carré, faut péter les 100k sur Insta, j'fais TP. J'envoie la poufra, le 24 ans pété, H24 sur le bitume, on veut la vista, on pire des salopes pour toucher un salaire. Bienvenue mon gars, Gab, ici c'est le collège Jean Jaurès. C'est là où tous les types ont commencé, tu vois, la 6ème, 5ème, 4ème, c'est le collège, c'est un peu squat, le grand parking. Et là, il y a un poteau à moi, il arrive en voiture là, on va l'attraper, c'est un bon petit rappeur aussi. Tu connais, il commence un peu, il débute.
Mais moi j'aime bien donner la force au gars qui le mérite, tu vois comment. Viens. Viens. Ok, on va le son là. On va le son. Coupé. Toi tu rappes un peu, on m'a dit. Ouais, ça commence là, ça fait quelques mois, tu connais. Ça fait 6 mois à peu près, je commence à rapper, tu vois. Je suis là, je suis avec Caramelo, on est ensemble, il me donne la force. Moi j'ai toujours été là, j'en ai ensemble, tu vois, c'est la force, tu connais, c'est le 5-7, on essaie de monter, on essaie de faire monter plein de têtes. Parce que c'est pas assez vu, tu vois comment. T'as lancé des clips un peu toi ou pas? Il y a encore rien, pour l'instant j'ai juste un Insta, c'est iso.k44. Et il y a 2-3 IGTV. Là je vais envoyer encore, et là en 2021 ça m'envoie des freestyles, hein, fort. Ça tue mon gars. Un clip, tu connais. Hein. Freestyle direct alors? Vas-y, freestyle directement. Iso, faire des dégâts, hein. Iso. Ça va être que je débarque au studio. Je sors pas du bendo, mais j'ai l'extendo. Wow. Ça va être que je débarque au studio. Je sors pas du bendo, mais j'ai l'extendo. Wow. Je suis tissant, fila, je connais bien ces filas. Rien qu'elles font les fissages pétasses. Je connais leur vrai visage. Appuie dans les virages, dose de 8-10 dans l'œsophage. Dose d'adré dans des massages. Elle veut que je commence par des massages. Poche ton détaillé, mais j'ai pas les mains sales. Je fais mes affaires, j'ai la balle, hein. J'hésite pas à faire la passe. Même si tu me laisses dans l'impasse. J'attends le karma, je lui fais de la plage. J'attrape le 24 pour faire un carnage. Dans le gamos comme des ballasses. En place, je récupère l'équipage. Je me tue à la tâche, fais un palace. Je me tue à la tâche. Aïe 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 aïe. Là je suis fire, aïe 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 aïe. Là je suis fire, aïe 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 aïe. Là je suis fire, aïe 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 aïe. Là je suis fire, aïe aïe. C'est carré, force mon gars. Merci mon gars. Mon gars, il y a la dernière question pour terminer. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Déjà, pour soutenir le quartier, c'est l'FC Pou Soleil. Ah bien sûr. Mais sinon, mon club de cœur, moi c'est Marseille. En fait, moi Marseille. Je suis à Marseille. Ah ouais? C'est Marseille frérot. Marseille. Bon bah ça tue. T'as des réseaux aussi, on peut te suivre? Ouais, écoute, mon Snapchat c'est Ahmed RZA. AHMEDRZA. Mon Instagram c'est 24 Caramelo avec un K. Ma chaîne YouTube c'est pareil, elle est dans ma bio. Et tout le reste est sur mon Instagram. Mais sinon, il faut rester à l'affût sur Instagram et sur mon Snapchat. Ça tue mon ref. On va direct la maison de quartier. Direct et ton freestyle. Pour un très très gros freestyle. L'équipe, restez branchés. Un gros bisou à Gab. Et ça va arriver lourd. Lourd, on est ensemble. Hein. Ah, le 24, boy. Le 24, boy. Le 24, boy. Mais écoute, mon ref, c'est le 5-7. La frappe a dit voilà, dans le prochain y'a 10 ballons. Pose la somme, non, dis pas non. Captain Dja, la transaction. La frappe a dit voilà, dans le prochain y'a 10 ballons. Pose la somme, non, dis pas non. Hey. 6.3, je mets le turbo. Ton équipe est du bas. J'ai quelque chose à t'y perdre, ça veut dire des 10 balles. Je suis au top du top. Un gros gars, moi j'attends le top départ. Eux c'est des salopes, des commis. Ils parlent comme des commères à la tête des commis. Je récupère le colis pour que je passe aux collègues. Le produit est balèze, j'y reste 3 les palettes. Un déclat pour Discord, eux c'était pour l'ascar, faut qu'on pète le score. LVH sur l'ascar, tu peux baisser les scores, c'est moi la star. Des gains de carré, mais fais ça des carreaux. Ça parle en carré, le business est carré, faut péter les 100k sur un stage VTP. J'envoie la pauvre, le 24 va péter. H24 sur le bitume, on veut la vista, on crise des salopes pour toucher un salaire. Elle fait la bombée, obligée de la bomber. Ça fume la gandia, trop bon, c'est danger. Tu portes tes couchers, la moula de danger. Réserve le télo, tu vois à la télé. 20h t'es branché, 22 t'es dans le coma, les labels m'appellent, je vais signer un contrat. De la maille de l'espèce, je me casse d'ici. Je claque ses seufs, je débarque sur ta lame, ça dit que je suis fort. Je m'arrache dans la zig, ça dit que c'est mort. De la main et de l'espèce, je me casse d'ici. Je claque ses seufs, je débarque sur ta lame, ça dit que je suis fort. Je m'arrache dans la zig, ça dit que je suis fort. 4-4 tout terrain, ça rafale ton équipe, putain, t'es dans la demeure. Complètement tu perds, ça s'appelle le départ. T'as des gains de clochard, ça se passe à la DA. Pour péter le cochi, personne t'a costa, tu rappes à la costa. Tu vas la costa dans le couloir comme costa. On veut des pesos, sur moi c'est la télé. On veut un piston, la cité va péter. Aïe 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 aïe. Cigario dans la villa, dis-moi qu'est-ce t'as mis amigo. Je suis Keblo dans un bail, je sais pas comment avancer. Cigario dans la villa, dis-moi qu'est-ce t'as mis amigo. Je suis Keblo dans un bail, je sais pas comment avancer. Les gars, fais du bruit là pour Gab, les gars. Ouais. Bon,
l'équipe, aujourd'hui on se retrouve avec Gab Morrison. C'est ça. 24 Caramello. C'est moi, je vais vous faire présenter la ville aujourd'hui. Voilà mon gars. Du coup, le 5-7 c'était comment? Le 5-7 c'était lourd. Il fait froid mais c'était lourd, c'était bon. Quartier Beau Soleil c'était comment? Quartier Beau Soleil c'était sans le soleil mais c'était bon. C'était bon. Et sinon, ton rappeur préféré c'est qui? À part 24 Caramello. Arouf Gangsta. Bon l'équipe, on est en direct. Un gros bisou frérot. Restez branchés, ça va arriver sale. Ça bouge pas. Hein. Bah.